L'association Calypso Association existe depuis 1993. Elle a été fondée par Guillaume Kervel, Emmanuel Maslow, Daniel Verba et Barthélémy Fouja. Et suite à un voyage à Trinidad et puis la récupération d'instruments qui ont été vendus par un groupe de Trinidad qui était venu faire des concerts en Europe. Et donc ça a commencé comme ça et l'objectif premier c'était justement de... Et d'ailleurs, c'est l'objectif principal de l'association, c'est de promouvoir la culture de Trinidad, le steel pan en France, puisque c'est un instrument qui n'est pas très connu. Pour commencer, là. On peut dire que l'association a deux casquettes, la partie socio-culturelle, où on accueille ici plus de 150 musiciens de tous niveaux, dans la semaine, de façon hebdomadaire, de façon régulière, pour des répétitions à l'année. Sinon, on peut aussi accueillir d'autres types de publics en stage ponctuel, comme des jeunes d'IUT en carrière sociale, des futurs animateurs sociaux, des professeurs de musique de la ville de Paris, des classes de CM1 ou des classes de 3e. Voilà, on a aussi bien des stagiaires à partir de 9 ans jusqu'à adultes. On a aussi des entreprises privées maintenant qui font appel à nous pour un travail d'équipe au niveau de leur personnel, où le steel band, le fait de jouer en orchestre, va leur permettre de découvrir l'adaptation, l'intégration dans un groupe, le rôle de leader, etc. Enfin, des thématiques qui les intéressent eux. On a aussi la partie artistique, animation, concert, où aussi bien les gens d'ici vont aller faire des animations dans les quartiers que des concerts sur scène, des concerts dans des festivals de jazz, voilà. Enfin, j'ai commencé à faire un groupe en 2001 qui s'appelle Panache, qui regroupe un peu des joueurs d'ici, qui jouent dans les groupes d'ici. Et ça m'a... qui sont plus expérimentés, donc du coup d'aller faire des plans d'un point de vue plus professionnel, quoi. Enfin, des gens qui arrivent, qui sont jeunes et qui savent pas quoi faire, ben, du coup je les fais bosser et puis ils viennent jouer avec moi et ça leur met, ça les met dans la... ça leur donne une direction, quoi. Après, voilà. Et ben... Thank you.
le steel pan, c'est un instrument qui vient de Trinidad et Tobago, qui est fait à partir d'un bidon de pétrole, un bidon de 200 litres plutôt, et qui est enfoncé, qui est martelé, qui est ciselé, qui est sculpté pour donner un instrument de musique. Donc, au début, ça a commencé de façon plutôt rudimentaire. Au début, même ils enfonçaient même pas le bidon, ils faisaient juste des bosses. C'était vraiment des vieux pannes dans la fin des années 30-40. Ensuite, ça a donné des pannes un peu comme ça, avec l'accordage un peu roots. Et à force de travailler sur les harmoniques, en fait, puis il y a différents accordeurs qui ont inventé comme mettre des caoutchoucs au bout des bâtons ou enfoncer l'instrument pour affiner le fer, et ça a donné des instruments où on peut accorder très bien les harmoniques comme un piano.
Avec cette famille d'instruments, on a essayé de copier les instruments classiques, quoi, le système, premier violon, deuxième violon, alto, cello. Et c'est comme ça qu'on regarde l'instrument. Quand vous allez regarder les images, vous allez voir les basses, les cellos, les premiers violons, les deuxièmes violons, c'est exactement pareil. On essayait de jouer la musique classique mais sans partition, donc ça a développé tout un truc, toute une mémoire qu'on n'a pas ici quand on apprend la musique, quoi, avec une partition. On part du principe qu'il faut d'abord entendre pour pouvoir lire, quoi, comme quand on est au CP, quoi. On sait déjà parler avant de savoir apprendre à écrire ou quoi que ce soit. Population de Calypso Association, on a vraiment un métissage au niveau des gens qui viennent apprendre ici, aussi bien en termes de catégories socio-professionnelles qu'au niveau de l'âge. On
peut dire qu'on fait de l'intergénérationnel parce qu'on a aussi bien des enfants que des papis, mamies et une classe moyenne très importante au niveau de l'âge. Et aussi au niveau culturel, c'est vrai qu'il y a pas mal d'adhérents qui viennent des Antilles, qui sont originaires des Antilles, mais aussi du continent africain ou d'Asie d'ailleurs, et beaucoup d'Européens bien sûr. Ça convient à tout le monde et du coup on a 150 élèves, on pouvait jouer toutes les classes sociales, tous les âges ensemble. Et... c'est super. Vive Calypso.
recommencer. Donc. Mon quartet, C2J, qui est. Où je suis tout seul à jouer le pan, quoi. Et il y a un bassiste, un pianiste, un batteur. On a enregistré un album là qui sort les prochains mois. Et voilà, quoi. Et qui a donné aussi l'occasion à mon ami là de se mettre au second et de dépouiller l'histoire et faire son groupe aussi. Et voilà, et tracer la route, quoi. De faire venir nos amis pour jouer avec nous parce que c'est le seul endroit où on peut jouer 24 heures sur 24. Cette année, on a appris un nouveau répertoire qu'on a enregistré en juin. On a enregistré ici avec le groupe. Et on va sortir un disque en 2007. Ce sera le premier disque Calypso Association Steel Band. On a fait les compositions avec Laurent. Et c'est un super groupe d'ailleurs. Un très bon groupe. On a aussi invité sur ce disque des musiciens justement de Paris qui sont pas connus mais qui sont très bons. Qui sont très bons et on est très fiers de ce travail.
des concerts intéressants dans des, pour des occasions particulières comme le Steel Dream à la Villette en 98 où c'était les 150 ans, l'anniversaire des 150 ans d'abolition de l'esclavage. En 2000, on a fait un festival, l'association a organisé le premier festival européen du Steel Pan à Paris, à la Villette aussi, où on a été faire la finale à Trinidad avec le meilleur des groupes de Calypso. On a refait ça en 2002 aussi, où on a eu la chance de travailler avec Andy Narell, qui est un musicien de jazz et qui est surtout le paniste le plus connu. Il a fait beaucoup de disques, il a joué avec plein de monde, c'est un Américain. Et il est venu à Paris travailler avec nous et on a travaillé plusieurs années avec lui. On a même fait un disque suite à ça en 2003. Et quelle association. C'est un disque qu'on a eu la chance d'enregistrer avec lui ici. Il y a aussi des invités prestigieux dessus. Donc c'était une super expérience et suite à ça, on a fait quelques concerts comme le festival de jazz à Toulon. On a joué au New Morning, on a fait une petite tournée aux États-Unis.
Panache. Merci à tous, à bientôt. On essaye de rester le plus traditionnel possible, quoi. Sachant que le pan, voilà, ça vient pas de France, ça n'a pas été inventé en France, donc il faut pas essayer de retrouver la culture qu'on a dans les conservatoires ou quelque chose comme ça n'a rien à voir. Enfin, savoir, on joue de la musique bien sûr, mais la manière d'apprendre, c'est-à-dire que on joue direct en orchestre. Et du coup, ça nous fait prendre conscience de la place qu'on a dans un orchestre. Donc, on a une responsabilité par rapport aux autres et ça nous met plus dans l'action. Du coup, ça nous libère. Il n'y a pas de partition, il n'y a pas de. On apprend tout à l'oreille. Jusqu'à sol, sans la